Eh hey, bonjour bande de ripailleuses. Eh hey, bonjour bande de ripailleurs. Enfin, bonjour Alain. Bonjour Olivier. Ça va. Alain. Olivier. Nous sommes à l'extérieur, il fait beau, nous sommes heureux. Il fait beau, on va bien, on est en train de brasser, ça fait longtemps qu'on n'avait pas brassé, on avait pris un peu de temps pour soi. Voilà. Aujourd'hui, journée spéciale, on brasse de l'hydromel. Ouais. Enfin, on va pas encore commencer. On brasse pas d'hydromel. On sait pas. On hydromel où on, Voilà, on fait de l'hydromel. Ouais. On est là, on va déguster notre nouveau brassin. Voilà. Qui est une bière Smash. Smash qui signifie, comme vous le savez, single malt and single hop. Ce qui veut dire en français un seul malt et un seul houblon. Donc une bière plutôt simple par fabrication. C'est une bière de débutant un peu. Ouais, c'est ce qu'on fait pour apprendre à brasser. Généralement, on commence par ça parce que ça nous permet de connaître un peu les ingrédients d'une bière. On était sur un monopalier. Ouais, on a fait vraiment simple de chez simple. Un brassin aussi un peu particulier parce qu'on a tenté un nouveau système pour augmenter la quantité de grains dans notre Braumeister. Voilà. Et il s'est avéré qu'on a un peu galéré à le mettre en place. On sait toujours pas trop où on en est. Si c'est le Braumeister qui a un défaut ou peut-être que c'est une situation normale, mais on a l'impression qu'il y avait des remous et qu'il y avait de l'eau qui passait pas au bon endroit. Donc perte de, pas de qualité, mais perte de rendement, peut-être moins de sucre. Et après, au final, en regardant, on n'a pas eu tant de perte de rendement que ça. Non, donc peut-être une situation normale, mais on est encore perplexe, il faut qu'on fasse des essais. Donc on bosse dessus, mais bon, ça va être les grandes vacances, donc on bossera dessus en septembre. C'est un peu de la merdouille en fait, parce que vu que ça sert que par là, et ben ça appuie pas assez sur les circonférences, et du coup le joint, tu vois, tous les remous arrivent. Et si j'appuie là, et ben j'arrête les joints, j'appuie bien le joint, je suis en train de cramer le pouce, et ça passe plus. Donc là on va avoir un très très mauvais rendement, et j'ai serré un bloc, donc je peux pas serrer plus. Bon, c'était vraiment collé, vraiment très très dur, donc c'est impossible que l'eau arrive à passer. Regarde ça, à la louche, regarde ça, c'est... Alors on en enlève et je vais essayer de relancer, on en était à... On attaquait les 67 degrés. Et la pompe, ça continue à refroidir et en même temps que ça. Et donc pour atteindre 25 degrés, où tu vas mettre les levures. Et bien sûr, il y a un concours aussi. Exact, merci Sarah Marchand qui faisait des mimes. Concours, du coup qu'on n'a pas réalisé. Ah bon? Attends, je sais pas, j'étais pas là. Non. Donc on va quand même déguster et puis on fait le concours après, post-montage, crac 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 paf. On sera d'accord. Mais le tambour. Et bravo! Romain Cavallero. Ah là là! C'est vraiment un mec comme ça ou une bonzère. Voilà. Allez, le pop. Yes! Merci, un pop. Attention. Attention à vous. Oh là! Ça monte. Ça va. Si. Non, ça bulle, ça bulle. Attention! Ça va. Une belle mousse. Yes! Elle est trouble, hein. Je pense que ça vient du problème que vous avez eu quand vous avez brassé. Il y a des trucs qui flottent, ouais. C'est des morceaux de malt, à mon avis. Donc, allez, on est. Je sens la grume, direct. Le jour, c'était quoi? T'as pas goûté encore? Non, pas encore. Je ne dis rien. Par contre, elle mousse, hein. Vous venez d'entendre un petit couinement. C'est une ripailleuse. Ouais! C'est quoi ce goût?
Et bah, elle est ouais. Très très bonne. Elle est alors des grosses bulles. Par contre, ouais. Je sais pas si on y voit la caméra, mais ça mousse. À savoir que ça, c'est les bouteilles de fin de fût de resucrage. Donc, qui ont peut-être beaucoup, plus, de sucre. Ouais, beaucoup de sucre. Donc, la dernière fois, ça m'a fait le coup et ça ne fait pas avec les autres bouteilles. Alors, comme tu l'as dit, elle a au nez agrume. Ouais, fortement, ouais. Fortement agrume. Au goût, elle est légère. Et elle est encore très sur le goût d'agrume citronné. Alors, ouais. Je ne sais pas si c'est notre type de houblon. C'est quel type de houblon? Eh bien, c'est ce que je te demande. Des strips, triple Strass. Triple Zals. Un truc comme ça. Le truc alsacien. On va l'écrire. Bonjour mesdemoiselles et bonjour à tous. Effectivement, le Strisselspalt est un houblon français cultivé en Alsace. C'est un houblon aromatique dont l'acide alpha se situe généralement entre 1,8 et 2,5%. Le houblon Strisselspalt a un arôme très fin, doux et équilibré. Ses notes sont citronnées, fruitées, épicées et florales. Le Strisselspalt est idéal en dernier versement ou en houblonnage accru. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le professeur Ripailleur en direct d'Acapulco. À vous les studios. Au revoir, professeur. Ma foi, c'est quand même un succès. Elle est quand même très très bonne. Donc, Elle est très bonne. Cool. Elle ouais. Manque un petit peu de fraîcheur, je trouve. Donc, oui, elle a été au frais de pas longtemps. Je me resserre, hein. Je suis comme chez moi. Donc, wouhou. Allez, ça c'est fait. Eh ben, c'est un succès. Bravo, bande de Ripailleur. Donc, bravo, Sarah, bravo, Alain. Ouais. Merci. Membre de l'association, il y en aura dispo à la vente. Si on en a encore au stock, vous pouvez nous contacter par Messenger, par Pigeon Voyageur. On en a dispo ouais. Pour vous également. On s'arrange. Traînez pas trop. Hein, comme vous avez pu le voir sur les autres bières, ça part. Très c'est vite. Olivier, il les boit quoi, si c'est pas vendu. C'est ça. Et puis, le soir, je passe une discretos. Et puis voilà, Kempai. Santé, félicitations là. Bravo, merci. Félicitations tout le monde. Félicitations. Santé. Ils sont sur la portée, ils en ont rien à foutre. Félicitations. Find the fucking holy grail, I'll fucking fly.